terre, comme chum, un genou à terre. Mais la spagnette crabe dans ce point du globe où on s'altère, altère, fait en l'air pour le cob. Monter sa garde, c'est déjà noble. On doit se battre pour rester vrai, se débattre pour rester sobre. Séparer le grain de l'ivraie dans les fraises, décrocher d'un direct au first lock. Tu le sais, c'est censé, boxeur ou sensei, c'est celui qui se relève qu'on va encenser. Après le doux, faut pas arrêter de fesser juste parce que la glace est déjà cassée. Maintenant c'est le 13e round, c'est la vie que t'affrontes. Même si c'est une garce, faut que tu fasses ta place à coups de poing. Mais faut aussi se servir de sa tête. Fait que fonce, ça se pourrait que sa tête avance sans doute. Puis évite les coups bas, fais pas de courbettes, pas toi comme un boxeur cubain. 13e round, tout commence quand tout achève. Rends-toi compte qu'après le décompte, ça compte. 13e round, faut que tu te relèves. Et sur l'effort, y'a pas de discount. 13e round. On ne calcule pas ta pointure au délit, ni au point de suture. Mais au défi sur lesquels tu têtes les jointures. Sans déni, même quand y'a point de futur. Debout après un coup dur, un coup de boule, un coup de foudre ou une coupure. À 7 minutes où on voit la différence, c'est celui qui mérite notre déférence. Qui même KO son KO, plus bas s'accroche au câble. Retourne au pugilat, reconnaît celui qui met l'effort. De celui qui ne met plus et qui chie là.